Salut Flo. Salut Vince. Ça va? Ça va tranquille. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ça commence à faire, ouais. Ça fait des années. D'ailleurs là on est sur le même terrain que sur l'épisode d'Aurel. Salut les gars. Tu fais quoi là? Je sais pas, il s'incruste. Eh, c'est ma vidéo Aurel. Sur YouTube je fais principalement du mode carrière. Ouais. Allez voir sa chaîne dans la description bien sûr. Retourne-toi Flo. Il y a écrit Marco Verratti. Pourquoi? C'est ton joueur préféré? Explique-moi un petit peu pourquoi. Non, c'est pas mon joueur préféré mais c'est un joueur que j'adore. Ouais. Mon joueur préféré moi c'est Thierry Henry. Thierry Henry? Ouais, très très grand buteur. J'ai 27 ans. D'accord. Non, je rigole, j'ai pas 25 ans. Vite, tu lui fais croire direct. Non, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. T'as 25 ans, d'accord. Et tu supportes quelle équipe? Il est là, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Content de l'arrivée de Neymar et du prince, Kylian. Kylian Mbappé. C'est ça. Voilà, bien joué. Non, mais on sort ou pas, Vincent? Non, non, tu t'as pas le droit de toucher la balle, toi. Toi depuis quand tu joues à FIFA? J'ai commencé sur FIFA 09. FIFA 09. Avant j'étais sur PES. Et je garde PES, je joue avec les touches PES moi. Ah ouais c'est vrai. Je joue à FIFA avec les touches PES. Les vrais jouent comme ça. Du coup toi à part carrière tu joues à quoi comme mode sur FIFA? Je dirais mode club. Ouais. Après je joue aussi un peu Ultimate Team quand même. C'est quoi ton poste préféré en mode club? Le poste où je joue le plus c'est buteur. Après j'aime bien jouer en soutien du buteur MOC. Ouais. Allez Flo. Eh, pas mal Flo. Pas mal. Ah, pour la peine je mets un but à Wall. Bien joué, Adam, bien joué. Dans les postes offensifs, on l'a bien compris. C'est ça. Je suis l'inverse de Clément. C'est-à-dire que Clément, il aime bien le tiki-taka. Ouais. J'aime bien les passes, mais j'aime bien dribbler. Ah, donc, dribbler. Il y a moyen que. On est en face de nous un croqueur, là, je le dis. C'est ça, exactement. Ça, c'est très important dans le club, c'est d'être imprévisible. Donc j'espère que tu seras. Flo n'arrive pas à voir avec le ventre. Ton pro physiquement il sera comment toi? Alors là, ça va être la surprise je pense. Ah. Ça va être la surprise du chef. Ça, ah c'est ça qu'il y a des nouvelles coupes de cheveux qui ont été intégrées. Il y a peut-être des nouvelles coupes de cheveux parce que moi je suis assez fan des coupes de cheveux. Ça c'est des gris que t'as au poignet? Tu gardes toujours? J'invente une légende, c'est trop. Non mais c'est truc que t'as toujours sur toi. Ça c'est le journaliste qui a plus de questions. On sent le journaliste qui a plus de questions. Celui-ci c'était en Espagne. En vacances. C'est en bus. Ouais c'est là. Ouais, okay, ouais. Et le reste là la Croix-Rouge. Ok. Donc, parce que faut faire des dons à la Croix-Rouge. Très important. Est-ce que tu joues aussi au foot en vrai? Malheureusement, j'ai pas le temps. D'accord. Est-ce que tu as joué plus jeune? J'y ai joué, ouais, quand j'étais dans la région parisienne. Parce que du coup, tu supportes Paris, mais à la base, du coup, tu... C'est ça, moi, je suis né dans la région parisienne, dans le 93, et du coup, j'ai déménagé pour suivre mes parents quand j'étais plus jeune. D'accord. Quand tu joues avec tes potes, c'est quoi le poste qui t'attire le plus? Quand je joue avec mes potes, on joue un peu partout. Après, ouais. Tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est vrai que je préfère rester devant. Je suis un peu moins d'effort défensif, je les laisse courir, revenir en défense. Flo, t'as dit que t'étais buteur dans le jeu et dans la vraie vie. Du coup, ce que je te propose, c'est de voir un petit peu ce que tu vaux. Aurel, il va être au gardien. Attends, il s'est bien débrouillé en plus. Regarde, il commence direct. Il commence direct et il la foire. Ça, c'est très important. Très important de foirer dès le début pour pas trop non plus dire aux viewers que t'es fort et ça, tu surprends les gens. Après, si je mets une lucarne tout de suite, c'est pas intéressant, tu vois. Tu te décrirais comment? Même mentalement, c'est-à-dire que t'es un rageux ou t'es le mec qui motive, t'es quoi? Je suis le mec cool et qui se prend pas la tête. Après. T'aimes bien gagner? J'aime bien gagner, ouais, bah oui, ça c'est sûr. C'est que ce soit sur la console ou en vrai, c'est forcément. On a intérêt de gagner. Ah non! Mais putain de poteau! Pourquoi tu as accepté de rejoindre le projet du Vinsky FC? Parce que je te connais, ouais, on a déjà fait du club ensemble, c'était super cool, on s'est bien amusé. Les personnes à l'intérieur du club aussi, je pense que ça joue. Je pense qu'il va y avoir une très bonne ambiance, ouais. Il y a moyen de vraiment vraiment rigoler et s'éclater, tout en ayant de bons résultats. Est-ce que tu penses qu'on est capable d'atteindre les objectifs? En toute modestie, tu peux revoir les objectifs à la hausse. Hein. Ah c'est vrai, ouais. Ouais, je pense. Je pense. Ça commence. Après, ça va dépendre vraiment d'adversaires, il y a des abonnés qui vont être super forts, ouais. Qui vont nous attendre au tournant, donc forcément, ça va être chaud. J'espère qu'on va exploser les objectifs pour pourquoi pas la saison prochaine en FIFA 19. Qu'on puisse élever un petit peu les objectifs. Un petit exercice que j'aime bien faire, t'es face au but et je suis derrière toi et je te balance des ballons, mais ça peut être à droite, à gauche, au-dessus de toi, ça et marche. Tu dois essayer de marquer. Let's go. C'est parti. Bien joué. Ce sera quoi toi ton rôle dans l'équipe, c'est-à-dire ce sera le mec qui rigole ou toi t'es plutôt le mec qui motive ou qui est là pour... Je pense que je serai un peu comme Clément, c'est-à-dire que je vais bien rigoler. Ouais, rouler de temps en temps, j'aime bien rigoler. Mais pas trop. Ah, y a des moments faut rigoler et y a des moments faut travailler aussi. T'as un essai, tu dois mettre la barre. Allez c'est parti, montre-moi ce que tu sais faire. Ouais, bon d'ici ça. Tu veux que je tire un peu? Il me donne la balle. C'était pas d'ici, c'était pas d'ici. Bon Flo, t'as un essai pour mettre la barre.
T'as pas le choix. Si tu mets pas la barre, t'es pas notre buteur. Ah putain, il se met proche par contre. Attends, recule plus loin parce que je vais la pousser là-bas. T'as un essai pour mettre la barre, Flo, c'est parti. T'es le meilleur buteur de l'équipe normalement, donc t'as pas le choix quoi. Tu dois mettre la barre. Non, moi je cadre toujours. Oui, c'est vrai. Cadrer que t'as deuxième essai, Agassi, on est arrivé. Oh là là. Oh ouais. Sting. Vous avez entendu ou pas? Du coup, t'es motivé, Flo? Allez, let's go. Bon voilà, c'était tout pour la présentation de Flonox. C'est Vinsky au pays des Bretons. Enfin, non, c'était pas Breton. Ah, je suis pas Breton moi. Peut-être lui, je sais pas, mais moi je suis pas Breton moi. Merci beaucoup. J'espère que vous allez être nombreux à soutenir le club. Flo, on va attendre au tournant parce que ça va être le buteur. Hein. Si ça marque pas, ce sera un peu de sa faute, on va le dire. J'y vais moi. C'était Vinsky. À très vite. Peace and game. Et n'oublie pas de faire c'est bien. Peace les frérots. C'est vraiment mieux. Ciao. Ciao.